Hello, salut, bienvenue sur Ange Prisca Dionzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Je fais une série de vidéos. Vous allez bien. Ma robe est un peu jolie. Hein? Oh. C'est ma copine qui m'a offert ça. Mélène de Pouilly, ça va? Merci, hein? Tu as pensé à moi. Tu es gentil. Souvent ton amitié est intéressante. Souvent c'est pas intéressant. Sinon c'est bien. En tout cas, merci pour la jolie petite robe. Hein? Merci à papa de Pouilly Henri. Hein? Parce que, non, c'est pas toi qui as acheté la robe là. C'est papa qui a acheté et puis t'a donné. Et puis tu m'as donné. Si, vous allez bien. Vous avez mis un pouce, un like. Désormais là, vous m'appelez la légende. Parce que j'ai l'impression que la légende là, ça vous fait un peu mal. Si, appelez-moi la légende. Je suis une légende vivante. Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. C'est la même qui donne insomnie aux gens en ce moment sur les réseaux sociaux. Si. Désormais, tu m'appelles la légende. Je suis la vérité, je suis la solution. Et Dieu m'a envoyé sur les réseaux pour aider ma communauté à changer son système de pensée. Hein, qu'on appelle le mindset. Si. Parce que vous êtes en état de mort cérébrale. Si. Et donc, moi, je viens avec le défibrillateur. Je fais pouf. Où vous rêvez. Le sang la monte au cerveau. Ça irrigue un peu votre cerveau là. Et puis vous revenez à vous. Quand vous revenez à vous là, appelez-moi pour bénir ma vie. D'accord? Ça ne sert à rien de m'insulter. Voilà. Moi, je vais m'adresser d'abord avant de commencer cette vidéo là. Je vais parler aux Camerounais. J'ai fait une vidéo ici sur tous les peuples. Je n'ai pas encore fait le Cameroun. J'ai fait le Cameroun. Vous êtes fâchés. Il y a une qui dit là-bas que oui, tu vas prendre référence sur Google. Est-ce que Google, ça c'est référence. Mais tu prends Google là pour chercher définition des mots. Tu prends Google là pour chercher orthographe des mots. Vous prenez Google même pour vous repérer ici. Vous qui avez Google Maps là, pour vous repérer ici, pour chercher les noms des rues. Donc, Google là, c'est une bonne référence. Google même, c'est bon. Quand on cherche même école même, où on va mettre nos enfants là, on tape Google. Hein? Non, la mauvaise foi, c'est pas bon. Vous les Camerounais, vous êtes fâchés. Si, vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Il y a beaucoup qui ont reconnu. Mais je vous dis une chose, c'est parce que le Cameroun même c'est ma base. C'est parce que c'est ma base que je vous ai caressé un peu. Sinon vous-même les Camerounais, si on veut dire votre vrai nom, même vous les Bamileke là, si on veut dire votre vrai nom, on va pas quitter ici. Oui, parce que vous les Bamileke, vous êtes un peu, vous vous sentez toujours supérieur aux autres là. Pourtant vous n'êtes rien supérieur ici. Si. C'est parce que j'ai été gentil même que je vous ai fait un peu. Au lieu de m'appeler pour me dire merci, vous m'insultez. Vous êtes allé signaler ma vidéo sur TikTok. Ils ont supprimé la vidéo sur TikTok. La vidéo faisait 80 000 vues en 24 heures. Tellement les gens attendaient les Camerounais. Mais ce que j'ai dit sur le Cameroun, là, où est-ce que c'est qui est faux? Vous êtes des prostituées. Vos maris sont des proxénètes. Vos maris même sont des délinquants, des truands. Tu as marié Camerounais, ta vie est fichue. Toi-même, tu m'écoutes là. Si vos maris sont bien là, pourquoi vous êtes avec eux? Pourquoi vous êtes avec les blancs? Pourquoi vous n'êtes pas avec vos maris? Vos maris sont des truands. Les hommes camerounais, c'est des truands, c'est des chercheurs de femmes. Et puis, c'est des pédophiles. Ils aiment les petites filles. Moi, je n'ai pas dit vos vrais noms. Le Cameroun, c'est le côté anglophone, là, ça va un peu. Sinon, côté francophone du Cameroun, vous êtes de la pourriture. Excusez-moi, mais vous êtes de grosses prostituées. Ça, c'est connu dans le monde mondial, c'est connu que vous, là, vous êtes des vendeuses de piments, d'après le langage ivoirien. Si, mais j'ai fait un peu, vous êtes fâchés. Sinon, si, en temps normal, même si moi, je veux dire votre vrai nom, on va pas quitter ici, hein. On va pas quitter ici, hein. C'est une semaine que je dois passer sur vous. Mais comme vous êtes ma base, j'ai fait un peu. Bon, je vous laisse de côté. Je vous aime de l'amour de Jésus. Ici, là, tout le monde passe. Moi, là, le Cameroun, c'est ma base. C'est ma base arrière. Je vous dis, il y a 5 pays qui me portent comme ça. Bon, la Côte d'Ivoire, ça c'est au premier niveau. C'est normal, c'est le pays de mes parents. Non, mais je suis zimbabwéen. Après la Côte d'Ivoire, en deuxième position, vient le Cameroun. Oui, c'est ma base. C'est ma base. Moi, je vous ai dit. C'est pour ça que je vous aime. Je fais un peu à vous. Parce que si vous enlevez votre main dans moi, je suis foutu. Donc, doucement, hein, ne vous fâchez pas. Ces petits trucs qu'on fait. On est entre nous, chacun prend pour lui, il change, il avance. Vous vous fâchez. Oh. Après le Cameroun, c'est les Maliens. Non. Le Mali est en troisième position. Vous savez, quand je prends mes statistiques sur Facebook et puis YouTube, on met les pays où mes vidéos sont le plus visionnées. Je vous parle.
Le Mali, c'est ma base numéro 3. Ah, après le Mali, non. Si, sérieux. Hein? Après le Mali, vient le Burkina Faso. Et puis le Bénin. Vous voyez? Donc, comment on va faire? On est déjà nés. Hein? On est déjà nés. Donc, essayons de nous revoir. Quand je mets comme ça à nu l'état de notre communauté, c'est pour vous faire un électrochoc et puis vous allez prendre la mesure du problème et puis changer. Bien évidemment, tous les Camerounais ne sont pas des prostituées. Moi, j'ai des amis camerounaises, j'ai des mamans camerounaises. Non, sérieux, elles ne sont pas des prostituées, sérieux. Mais franchement, il y a une fête qui est là, c'est que quand on vient ici à la diaspora, là, votre nom, là, on connaît. Vous êtes rempli au bois de Boulogne là-bas. C'est vous. C'est vous. Vous avez gâté à faire des blancs là. C'est vous. À cause de ça, les blancs, quand blanc voit noir, ils nous prennent tout pour des prostituées. C'est vous qui avez gâté à faire des blancs là. Vous avez ruiné les blancs. Combien de blancs vous avez détruits ici à la diaspora? Combien de blancs vous avez rendu fous ici? Combien de blancs sont aujourd'hui en train de dormir dans des caravanes à cause de vous? Vous avez fini ça? Vous êtes des empoisonneuses. Vous empoisonnez les gens. Vous êtes jalouses. Vous prenez mari de vos copines. Vous les Camerounaises là, vous êtes dangereuses. C'est parce que j'ai été un peu gentille. Bon, bref, tant qu'à faire. Dans cette deuxième partie de cette vidéo, moi, je vais vous mettre en garde. Vous, mes mind people. Oui. Parce que je parcourais les commentaires qui m'appellent. Franchement, 228, là, c'est quel pays? Il y a un gars là qui est derrière moi. Non, l'esprit est un. Il y a un gars qui est derrière moi. Que moi, de lui chercher femme forcée. Et puis il précise bien, il dit il veut une femme sénégalaise. Que lui il vit dans quel pays là même? 228 dans quel pays? Il est derrière moi. Je sais pas c'est quoi son problème. Je vais le bloquer. Moi je suis pas agence matrimoniale. Hein? Et puis c'est de ça même je vais parler. Juste, oh non mais non, l'esprit est un. Dieu il sait faire des choses. C'est de ça même je vais parler. Mes mind people, mes mind women, les réseaux sociaux là, faites beaucoup attention. Hein? Parce que je tente de parcourir. Si, je tente de parcourir mais les commentaires. Et puis, je vois un gars, mon mind man, je n'ai pas de problème avec toi particulièrement. Mais tu as écrit un commentaire en bas du commentaire d'une de mes mind people. Donc, je suis là. Moi, je suis... Non. Tu as dit que, ah, tu es très jolie, je peux avoir ton contact. Elle ne peut pas te donner son contact. Ma chérie, si tu as donné le contact là, je vous préviens ici sur du clin. Hein, mon frère, elle est jolie comme ça, elle est bien belle là. Quand vous prenez les filles, elles sont jolies comme ça là. 6 mois après, on ne les reconnaît plus. Hein. C'est de ça que je vais parler ici. Vous n'allez pas venir sur mes contenus hein, et puis dire que moi, mes mind people sont jolies. Vous, mes mind women là, hein? Faites beaucoup attention aux réseaux sociaux. Les hommes là, c'est pas sur Facebook, TikTok on trouve femmes. Ils veulent plus faire d'efforts. Hein? Ils vont vous dire que vous êtes jolies. Vous êtes tellement en dépendance affective, vous allez donner vos numéros. Numéro même tu donnes là, il va même pas te draguer, tu vas le coucher avec lui. Donc je fais cette vidéo là pour vous mettre en garde. Faites beaucoup attention aux réseaux sociaux. Faites beaucoup attention aux réseaux sociaux. Les hommes là, ils sont là, trouve-moi femme, faut me trouver femme. Quand on vous trouve femme, vous les voyez, sont monnaie comme ça là. Après c'est pour dire qu'elles sont matérialistes. Femme même quand tu vois là, si tu sais que tu peux pas, toi-même tu connais. Il y a un qui me dit la dernière fois, ah tu es très propre hein. Franchement, ange, franchement, je sais que tu es un peu compliqué, mais moi, tu me plais. Il dit, hé, tu me plais pas. Tu me plais pas parce que tu es un pauvre. Voilà. Vous êtes pauvre, puis vous emmerdez les gens. C'est vous qui connaissez jolie femme. Pauvre, femme qui est propre. Femme qui est propre, là, tu connais l'argent. Moi-même, pour avoir jolie teint comme ça, allez voir mes anciennes vidéos. C'est Mira Beauty. Oui, Mira Beauty, j'ai fait une vidéo sur ses produits. Vous vous rappelez, non? Mira Beauty, même, c'est quoi son numéro? Même, je vais épingler son numéro ici. Sa gamme de produits est trop bien. Après, j'ai ma petite fille, j'ai une de mes filles qui a ouvert sa gamme de produits aussi pour soins intimes. Hein? Les soins intimes là sont bien comme ça. Très bien. Je vous ai dit que j'ai été opéré des fibromes. Donc, ça m'a créé plein. Mais la gamme de produits pour les soins intimes, là, très bien. Clinique. La petite fille là, je vais leur dire, elle n'a pas venu épingler ici, les deux contacts encore. Tout ça, c'est l'argent. Si. Et puis, j'ai une tête bien pleine. C'est l'argent aussi. Je paye formation pour avoir cette tête-là bien pleine. Là. Je me fais former. Je lis des bouquins. Oui. Les bouquins, là, ça coûte cher. Donc, tu ne vas pas venir me dire, ah, tu es très belle. Tu es ceci, cela. Et puis, demain, hein, c'est pour dire, non, mais tu es matérialiste.
C'est vous qui connaissez les gros français. Donc, je fais cette vidéo-là pour mettre en garde mes mind people. Les hommes qui viennent sur les réseaux sociaux pour vous draguer là, faites beaucoup attention. Oui, oui. Parce que les hommes africains aujourd'hui là, ils font plus d'efforts. Ils ne font plus d'efforts. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a des femmes qui se donnent en deux secondes. Prenez le temps que ça va prendre. Vous aurez vos compagnons, vos conjoints. Je vous ai pas... La dernière fois que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de... Où il y a une abonnée qui m'a... Il y a une dame qui m'a dit que moi, je suis pas... Je suis célibataire, je ne peux pas donner de conseils. La vidéo que j'ai faite là, j'ai parlé d'une maman. Maman Cécile des États-Unis. J'ai dit qu'elle est célibataire, son 10 ans. Non. La maman, qu'elle a écouté la patte, elle m'a rappelé. Elle a dit, hé, ma fille, je ne t'ai pas fait mon témoignage. Où Jésus est vivant. J'ai dit, c'est quoi, maman? Elle dit, ça fait un an que je suis avec un homme. J'ai dit, ah bon? En fait, la maman, elle fait des randonnées, elle fait des bateaux croisières, elle voyage, elle vit sa vie, quoi. Elle travaille encore, hein? Elle est en activité. Mais elle vit sa vie. Elle est tout le temps de bouger. Elle va aux quatre coins du monde. Donc, elle part dans une randonnée avec un groupe de personnes. Et dans la randonnée, au retour, elle croise un Camerounais comme elle. Mais un Camerounais raffiné, distingué. Il jouait du golf. Elle voit un gros... Parce qu'ils jouent sur les randonnées là. Ils sont retrouvés dans un coin de golf. Donc, elle voit un Camerounais. Il était pratiquement peut-être le seul noir du groupe. En train de jouer du golf. Elle dit, lui là, il fait quoi ici? Golf là, vous connaissez golf? Golf, c'est pas sport des noirs. Et puis... Elle a fini sa randonnée. Dès qu'elle sortait, Dieu, il dit, il est le maître du temps et des circonstances. C'est pour ça qu'il vous dit, approchez à Dieu. C'est lui qui crée les connexions. Est-ce que, il dit, quand elle m'a fait le témoignage, je suis choquée. Donc le gars, la board, il a, elle a 71, 70 ans, 71 ans cette année. Le monsieur a 72 ans. C'est un veuf. Il a perdu sa femme il y a 2 ou 3 ans. Ses enfants sont déjà grands, ses enfants travaillent. Mais elle dit que quand il lui a donné, d'abord quand il a accosté, elle s'est dit que non, le gars a peut-être 65 ans, elle peut pas sortir avec un homme de 65 ans. Elle a 70 ans, 71 ans. Et le monsieur lui dit non, j'ai 72 ans. Elle dit quoi? Il est conservé. Vous savez, nos hommes africains sont beaux. C'est les petits côtés là qui est bien. Il est conservé. Puis il fait attention à sa ligne, à son alimentation. À sa... il a un style de vie. Donc le monsieur commence à la draguer. Elle s'est laissée draguer. Non, parce que vous ne vous laissez même pas draguer. La maman là s'est laissée draguer pendant 2 mois. Le monsieur là lui a fait la cour. Il a dit que les petits trucs. Elle dit il est avenant, il est présent. Elle dit que chacun est chez lui pour le moment. Mais elle dit que non. Elle se sent revivre. Vous avez vu? Elle a été mariée la maman là. Elle a vécu dans le mariage pendant des dizaines d'années. Ça n'allait plus. Elle a quitté le foyer. Depuis qu'elle a quitté le foyer, et puis elle a rencontré le monsieur là, il s'est passé 20 années. C'est maintenant Dieu lui donne bon mari. Il dit que ce n'est pas vos truands de Paris, vos coloris de Paris qui sont accrochés à vos quatre banquets. La dernière fois, elle devait déménager. Il m'a fait trois vocaux témoignages. J'ai écouté parce que c'était intéressant. Moi, je suis affairée. Je dis que c'est lui qui allait prendre les déménageurs professionnels. Il dit non, à notre âge, on ne peut pas se transpirer comme ça. Il a pris des déménageurs professionnels. Ils sont venus emballer tout. Elle devait emballer les cadeaux, les cartons. Il dit non, mais chérie, tu ne peux pas emballer les cartons. Attends. Elle dit, mais ça coûte plus cher quand c'est eux-mêmes qui emballent. Il dit, il va payer. Il a tout payé. Il a tout. Elle dit, même 1 $, elle n'a pas dépensé. Et puis, il a aidé. Il allait maintenant prendre quelqu'un pour venir maintenant monter tous ses meubles et puis mettre ses tableaux. Et puis lui-même, il a la main à la pâte. Il ne faut pas le monter, laver le mur, laver par terre. Elle est là comme ça. Elle dit, papa, on peut faire ça. À 70 ans. Toi, tu as 30 ans, tu as 40 ans. C'est avec quoi tu vas te mettre là? C'est avec quoi tu vas te mettre? Ne m'énervez pas sur les réseaux sociaux ici. Et puis quand on vous parle, vous êtes têtu. Après, ça peut venir pleurer dans l'oreille des gens. Un homme là, quand il vient dans ta vie là, donne... 2 mois, faut te laisser draguer. En 2 mois, tu vas apprendre à le connaître. Et puis quand on vous drague là, taisez-vous. Observez, vous parlez trop. Il n'a qu'à t'inviter au restaurant. Laissez les hommes là dépenser un peu dans vous. Vous êtes des reines, des princesses. Laissez les hommes là vous faire la cour. C'est pas la peine de recevoir un homme chez toi. Chez toi, c'est pas un bistrot. Non, je suis désolée ma chérie.
Dès que les hommes là vous doivent mettre, c'est là vous allez les inviter à la maison, vous allez faire un gros placali. Même si le premier rendez-vous, il n'a pas couché avec toi, mais son doigt va arriver là-bas en bas. Ça c'est quoi ça? Tu, ma chérie, tu n'es pas une poubelle, ma chérie. Deuxième rendez-vous, c'est pour faire foutre et sauce graine. Il va coucher avec toi. C'est parti comme ça. Ma chérie a eu son mari. Elle va maintenant l'afficher. Elle va aller chez toutes ses copines. Elle va présenter maintenant un trophée. Vous aimez les bad boys. Un homme là, faut t'asseoir. Deux mois, il n'a qu'à t'inviter. Vous sortez, il y a des petites sorties. Et puis tu te tais. Quand il parle là, tais-toi. C'est dans le silence. C'est dans le silence que les choses... On arrive à voir. Taisez-vous un peu. Vous parlez trop. Et puis quand vous rencontrez les hommes là, ça ne sert à rien de raconter vos vies. Et je vous ai dit de faire enquête sur eux. Je vous ai dit de faire enquête sur eux. Enquête. Va pas offrir ton corps à un homme que tu ne connais pas, ma chérie. Tu vas le regretter amèrement. Laissez-vous draguer. Ça va prendre deux mois. Si deux mois pour lui, c'est une éternité, ou trois mois, c'est trop, il n'a qu'à partir. Oui, moi-même, tu vas me draguer pendant au moins 5 mois. Oui, oui. Ah non, si tu trouves que c'est trop, il faut partir. Et ça, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Oh. La maman même de 70 ans, elle s'est laissée draguer pendant 2 mois. À 70 ans, ça veut dire qu'elle n'était pas déprimée hein, pour dire non, il va partir, elle s'en fout. Mais il l'emmène dans de ses restaurants. Et puis, elle m'a dit une chose, elle dit... Avec lui, il fait attention à tes... Ah chérie, je veux que tu portes plutôt ça au lieu de ça. Oh chérie, je n'aime pas les faux ongles. Chérie, tu peux te limer plutôt les ongles. Chérie, j'ai découvert un institut. Viens, on va partir. Ils vont te faire une belle manicure. Elle dit, elle est là comme ça. Il a dit, le monsieur, il est amoureux. Il ne savait pas qu'il allait avoir femme à son âge là. Il prend ma maman là comme ça. On dirait œuf. Leurs enfants sont déjà grands. Donc, j'ai dit... Et puis il lui dit, chérie, mais on aménage ensemble. Quand elle dit, ah non, c'est trop tôt. Il dit, mais chérie, ça fait quand même un an, non? On va se marier. Là, là, le monsieur l'avait l'épousé. À 71 ans, 70 ans. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiastes 9, verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ma chérie, hé, il y a quoi? Laissez-vous draguer un peu. Les hommes là, ils ne veulent plus faire des fois parce qu'en face, ils trouvent des désœuvrés, des dépendantes affectives. Dès qu'on dit bonjour, wow, prends mon cadeau. Ils ne font plus des fois. Ils vont venir maintenant sur les réseaux sociaux pour demander vos numéros. Et puis maintenant, vous, bête que vous êtes, vous allez donner. Ils vont aller coucher avec vous et puis vous déposer encore. Ils sont pleins ici à Paris. Hein? Ils sont pleins ici à Paris. Des truands, des dangers potentiels. Faites attention à eux. Hein. Soyez sur vos gardes. Travaillez sur votre dépendance affective. Travaillez sur votre dépendance affective. Hein? Faites un effort. J'ai fait la vidéo sur les psychologues, non? Ou même je vais faire. En tout cas, j'ai déjà enregistré. Je ne sais pas à quel moment ça va passer quand j'enregistre cette vidéo. Faites beaucoup attention à vous. Allez, non, si tu as un problème d'estime de soi, de confiance en toi, va voir un psychologue. Prends des bouquins qui parlent des blessures, qui comment guérir de ces blessures, et puis tu vas guérir d'abord, avant d'entrer dans une relation. Parce que les hommes, là, ils savent à quel point vous êtes fragile, et ils jouent dessus. Faites pour... Ah, je vous mets en garde ici, hein. Et puis, vous, là, hey, mes pages, là, sont pas là pour demander le numéro de mes mind people, hein. Ça va? À toutes.